On a engagé un certain nombre d'actions depuis le début de l'année 2017 qui nous ont amené aujourd'hui, pour ce qui concerne la ville de Gawa, à dire aujourd'hui que nous sommes prêts pour la fête du 1 décembre. Nous sommes prêts pourquoi? Parce que nous avons eu à réaliser un certain nombre d'ouvrages qui non seulement vont servir pour gérer cette pointe liée à la présence de beaucoup de gens au niveau dans la ville de Gawa. Et ces réalisations, nous pouvons citer entre autres l'augmentation de notre capacité de production à travers la réalisation de 3 forages. Et aussi, nous avons équipé des forages qui avaient été réalisés aussi bien avant 2017. Nous avons réhabilité un certain nombre d'ouvrages dont les installations qui avaient été réalisées par un projet en 2014 et qui avaient été effectivement abandonnées par l'entreprise. Donc nous avons eu en charge de réhabiliter ces ouvrages-là. Et nous avons aussi posé une grande longueur de réseau. Je vais vous donner les chiffres là plus tard. Nous avons aussi augmenté notre capacité de stockage en construisant aussi un château. Et bien sûr, les branchements que nous avons eu à réaliser cette année pour ces festivités-là, nous sommes environ à 600 nouveaux branchements. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sans trop nous, en tout cas, jeter des fleurs, nous pouvons dire que on a une augmentation de la production de 45%. Donc aujourd'hui, on a 1000 mètres cubes jour de plus que nous sommes à mesure d'apporter à l'occasion de ces festivités. Et nous pouvons aussi dire qu'on a posé en gros 50 km, avec en gros 30 km de réseau neuf et une vingtaine de kilomètres de réseau ancien que nous avons réhabilité. Ensuite, la capacité de stockage, on a ajouté aujourd'hui presque 300 mètres cubes en termes d'apport au niveau du stockage, ce qui fait en gros 225% de notre capacité de stockage que nous avons renforcé. Et les branchements, on a en gros 15% de nouveaux branchements que nous avons réalisés et pour satisfaire en tout cas cette population de Gawa et bien sûr avec aussi la population qui vient pour ces festivités. Donc, il faut dire que la distribution de l'eau potable, elle est simple, mais elle est complexe. Donc, quelles que soient les ressources que vous allez mettre en place, vous ne pouvez pas avoir une ville où permanemment il y ait de l'eau avec une pression constante. Dans toutes les villes du monde, c'est pratiquement la même chose. Donc, à Gawa, on ne peut pas aussi dire que tous les quartiers là vont avoir de l'eau 24 heures sur 24. Avec une pression forte. C'est pratiquement impossible. Voilà. Donc, ce qui est là, le dispositif que nous avons mis en place, si un quartier n'a pas d'eau, nous voulons tout de suite être informés. Voilà. On verra rapidement quelle est la cause et on réorientera une partie de l'eau vers ce quartier pour soulager la population en attendant effectivement que la situation normale revienne. Parce que c'est des situations exceptionnelles. Aujourd'hui, en tout cas, on a cadré la ville et une zone entière ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle a fait 24 heures sans eau. À Gawa, ce n'est pas possible aujourd'hui. On fait aujourd'hui autour de 1000 mètres cubes. 2000 mètres cubes par jour. Voilà, autour de 2000 mètres cubes par jour. Avant l'apport. Aujourd'hui, avec l'apport, nous passons à 3000 mètres cubes par jour. C'est vrai que même avant les festivités, Gawa était une ville déficitaire. Voilà. Mais avec les 1000 mètres cubes qu'on apporte, en principe, ce déficit-là est comblé. Maintenant, nous estimons, les festivaliers qui vont venir, nous les estimons autour de 7000 à 8000 voilà, personnes qui viennent s'ajouter, qui créent quand même presque 20% d'augmentation de la consommation. Voilà. Et aussi, il faut qu'on se dise la vérité.
on peut pas aussi faire des investissements pour couvrir pratiquement, augmenter doubler la capacité totale pour un événement de 2, 3 jours. Voilà. Mais on essaie quand même d'augmenter, de tenir compte de ça et de voir de telle sorte à alimenter les gens de sorte que personne ne puisse faire 12 heures d'affilée sans eau chez lui. Donc c'est ce dispositif-là qu'on a mis en place. Sinon, ce qu'on a aujourd'hui comme ressources nous permet de gérer la pointe. Mais il peut y avoir des maux, des quartiers ont des difficultés. Ce sont ces quartiers-là que nous voulons, dès qu'il y a un problème qu'on nous signale, et tout de suite on met en place, on déploie nos ressources pour que ces gens-là puissent avoir de l'eau. Si vous l'enseignez, il y a des quartiers qui faisaient 3 mois, 4 mois sans eau, mais depuis 3-4 jours, ces gens-là ne peuvent plus le dire. Voilà. Peut-être quelques heures sans eau, sinon certains me reçoivent avec des personnes qu'ils n'ont jamais eues. Voilà. Donc c'est une situation, en tout cas, on s'est préparé en conséquence, mais comme je dis, aucune œuvre n'est parfaite. Mais s'il y a un problème qui survient, bon, nous on est prêt à réagir pour le satisfaire.